J'allais l'eau avec ma voix.
avec ma voix. Je le loue 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 avec ma main. Je le loue avec mon amour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier contre tous les desseins de l'ennemi. Quand on sort pour semer, l'ennemi aussi vient pour arracher. C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Tu vas demander que toute tentative de l'ennemi pour arracher la parole dans un cœur, pour essayer de bloquer la parole dans une vie, tu vas demander que la puissance du Saint-Esprit descende et que cela soit neutralisé au nom de Jésus. Que le Seigneur descende et que toute manifestation de l'ennemi dans les vies soit brisée au nom de Jésus. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Je demande au Seigneur que son feu descende pour entourer toutes les vies qui ont reçu la parole. Que le Seigneur arrasie les personnes. Que le Seigneur sème sa parole dans votre cœur. Au nom de Jésus, que l'ennemi échoue dans ses projets. Toutes les programmations contre la parole de ce soir soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous prions. Nous demandons maintenant, Seigneur, tout ce que l'ennemi va tenter de faire pour empêcher les âmes de se révolter. Tout ce que l'ennemi va faire pour échouer. Amen. Tu vas prier maintenant. Parce qu'il y a encore 5 jours devant nous. Tu vas demander, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie tout le groupe. Que le groupe soit fortifié. Amen. Que mes frères, mes soeurs soient fortifiés. Amen. Ceux qui sont sortis aujourd'hui, demain ils sortiront. Amen. Ceux qui ne sont pas sortis aujourd'hui, demain ils sortiront. Amen. Je demande au Seigneur de fortifier tout le monde. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous recommandons la suite de ce programme entre tes mains. Et nous demandons, Seigneur, toi qui nous as fortifiés, pourquoi nous sommes sortis aujourd'hui? Nos frères et sœurs qui sont ici, Père, nous prions, nous demandons. Ensemble, nous pouvons être ensemble, nous prions. Tu vas demander que le Seigneur te remplisse de sa parole. Que le Seigneur te remplisse de sa sagesse. Tu dois te tenir devant les âmes. Le courage que tu dois avoir pour aborder les âmes. La puissance nécessaire pour que les âmes soient convaincues. Que le Seigneur mette cela en toi. Prie au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions maintenant et nous demandons. Seigneur Jésus, mets ta parole à moi. Seigneur, ta parole qui est un peu. Seigneur, protège-moi. Que tous les desseins de l'ennemi échouent au nom de Jésus. Amen. Tous les plans machiavéliques de l'ennemi soient voués à l'échec. Prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous prions maintenant. Seigneur, nous recommandons notre départ entre tes mains. Seigneur Jésus, la paix de vie au nom de Jésus. Entre quelqu'un d'entre nous, nous prions ton pouvoir. Seigneur Jésus,
Viens, ma soeur. Viens recevoir Jésus. Viens recevoir Jésus. Viens recevoir Jésus. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Ma soeur, donne ta vie à Jésus. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Je te le dis en vérité. Si tu n'as pas confessé Jésus, si tu n'as pas ouvert ta bouche et dit Jésus, je t'accepte, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, je reconnais que tu es mort pour moi. Alors mon frère, ma soeur, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Parce qu'il est écrit. Parce qu'il est écrit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Mon frère, ma soeur, tu dois confesser de ta bouche. Tu dois croire de ton cœur afin de parvenir à la justice, afin de parvenir au salut. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous tend la main. Je te le dis en vérité, maman. Le monde va passer. Ma soeur, Jésus vous aime. Dépriez-vous de vos ornements. Dépriez-vous de vos ornements. Jésus vous a créé naturellement belle. Il est écrit à 1 Timothée 2:9. Je veux aussi que la femme, vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni d'or, ni de tresse, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pas de bonnes œuvres, comme une femme qui fait profession de servir Dieu. Ma soeur, tu dis que tu sais Dieu. Tu dis que tu pars à l'église. Mais tu te dépigmentes. Tu te tchatchoues, mon frère, ma soeur, tu dois te repartir. Tu dois te repartir. Si Dieu avait voulu qu'il y ait des fleurs sur ton corps, il allait dessiner des fleurs sur ton corps. Mais tu veux corriger Dieu, apporter des tatouages, des maquillages. Pose-toi la question. Si tu meurs avec cela, où atterrira ton âme? Tu seras étonné de dire à Jésus, Jésus, j'étais musulman, Jésus, j'étais catholique, j'étais protestant, j'étais la femme du pasteur. Et Jésus va te dire, je ne t'ai jamais connu, rien de moi, Satan. Parce que c'est ce moment que l'esprit de Satan, que tu sauras que cet esprit est en toi. Parce que quand tu fais ces choses, tu n'es plus maître de toi-même, maman. Quand tu penses ces choses, tu n'es plus maître de toi-même. Tu ne tiens pas un esprit propre possession de toi. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Femme chrétienne, habite-toi de façon décente. Femme chrétienne, habite-toi de façon décente. Ne laisse pas tes aisselles dehors. Ne laisse pas tes seins dehors. Elles sont sacrées. Elles sont sacrées. Elles ont de la valeur aux yeux de l'Éternel. Alors cache-les. Ne les expose pas. Ma soeur, n'expose pas ta nudité au marché. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Dehors les impudiques. Dehors les enchanteurs. Dehors. Tous ceux qui vivent comme des chiens. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Toute la vie que tu mènes sur la terre, cette vie est filmée au ciel. Cette vie est filmée au ciel, ma soeur. Ce que tu fais en cachette, tu penses que personne ne te voit. Je te le dis en vérité. Cette vie est filmée au ciel. Tu seras étonné qu'on te dise, ma soeur, tu as tué 10 personnes. Et tu vas dire, oh, moi je n'ai jamais tué. Tu vas dire, moi je n'ai jamais tué. Je ne suis pas dans la sorcellerie. Je n'ai jamais tué. Et le Seigneur va te dire, les pilules le lendemain, tu les as consommées. Le Seigneur va te dire, les méthodes contraceptives, tu les as utilisées. Repentez-vous. Repentez-vous. Jésus vous aime. Jésus vous tend la main. La vérité a franchi. La vérité libère. La vérité a franchi. La vérité libère.
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu parles à l'église depuis 20 ans, mais ton pasteur ne t'a jamais dit, ma soeur, d'enlever les faux cheveux. Ton ami ne t'a jamais dit que Jésus n'est plus à la croix. Mais ce matin, je te dis, toi qui me suis et qui prends toujours des crucifix, laisse-moi te dire que Jésus a ressuscité. Il n'est plus à la croix. Il est ressuscité afin que quiconque qui croira en lui et qui mourra, qu'il puisse ressusciter aussi. En attendant qu'il porte un crucifix, repens-toi. Repens-toi. Repentez-vous. Repentez-vous. Il est écrit, ne faites aucune représentation quelconque. Des choses qui sont sur la terre, des choses qui sont aux cieux, des choses qui sont en bas plus bas que la terre. Mais malheureusement, je suis dans une religion pour vous faire des images de soi-disant Jésus, de soi-disant Marie, de soi-disant les saints. Laisse-moi te dire, on adore Dieu en esprit en vérité. On n'adore pas Dieu avec des images. Parce que vos images de soi-disant Jésus, qu'est-ce que tes images de soi-disant Marie? Jésus n'est plus sur la croix, ma soeur. Tu crois qu'il est sur la croix? Tu vas adorer Jésus, c'est de ton cœur réellement. Tu n'as pas besoin de porter un crucifix afin que je chasse que tu connais Jésus. Mais tu dois vivre une sanctification, une vie de pureté, une vie de sainteté, afin que je puisse savoir que c'est toi la femme qui crée l'éternel, que c'est toi la femme qui crée l'éternel et qui sera honorée. Oh Jésus vous aime. Maman Jésus vous aime. Venez donner votre vie à Jésus. Nous vous disons en vérité, sans Jésus, tu es le plus malheureux. Sans Jésus, tu es le plus malheureux. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur la terre. Tu peux avoir les plus belles femmes, les plus belles maisons, les plus belles voitures, les plus belles constructions. Mais laisse-moi te dire, le royaume de Dieu, tu ne peux pas hériter cela. Le royaume de Dieu est pour ceux qui croient en Jésus. Le paradis, c'est pour ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie. C'est pas ceux qui ont accepté la religion. C'est pas ceux qui disent qu'ils sont catholiques, qu'ils sont protestants, qu'ils sont musulmans, qu'ils sont animistes. Non! Mais c'est ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui croient en Jésus, ceux qui vivent la vie de Jésus, ceux qui vivent la sanctification. Quelle soit la sanctification, nous ne verrons le royaume de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Oh, ma soeur, tu dis que tu as reçu Jésus. Mais tu n'es pas encore né de nouveau. Tu as besoin d'un nouveau enfant. Bon bien-aimé, nous bénissons dans le nom de Jésus. Nous sommes sur le terrain devant l'immigration. Nous voulons rejoindre la deuxième équipe qui est conduite par le pasteur. Donc, en peu de temps, on va atterrir dans leur position. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu es ma frère, tu vas abandonner. Tu n'as pas la phrase. Viens à Jésus. Parce que Jésus pardonne. Jésus pardonne. Jésus donne la force. Jésus donne la force. D'abandonner. D'abandonner le péché. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. La colère de Dieu est prête. La colère de Dieu est prête. Fais ta part sur les pécheurs. Fais ta part sur les pécheurs. C'est pour cela que toi qui vis dans la pornographie,
toi. À chaque fois que tu es seul là, aussi, y a bien tu prends ton téléphone là, le portable, là. Et tu allumes la vidéo pornographie. Tu peux une vidéo pour regarder, pour te masturber, pour te satisfaire sexuellement. Laisse-moi te dire que sa finalité, c'est la mort, c'est l'enfer. C'est pour ça que tu dois accepter Jésus. Après que Jésus te délivre de ses péchés, parce que si tu mets dans ces choses, ton âme atterrira tout droit en enfer. La colère de Dieu va te frapper. Alors, bien aimé, répands-toi à cette Jésus. Répands-toi à cette Jésus. Car les temps sont finis. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Toi qui cours derrière les pétitions, derrière les marabouts, tu cherches des solutions. Tu cherches la joie. Tu cherches la paix. Tu cherches le bonheur. Mais tu ne trouves pas. Laisse-moi te dire que cette paix que tu cherches, se trouve en Jésus-Christ. Se trouve en Jésus-Christ. C'est pour ça que tu dois accepter Jésus pendant que tu vis. Quand Jésus s'est donné pour toi, Jésus s'est livré. Afin qu'après ta mort, tu puisses hériter la vie. Afin que tu puisses hériter la vie. Il dit que si tu la sèmes là, même si tu mourrais, tu vivras. Ton âme vivra. Alors accepte Jésus pendant qu'il est temps. Accepte Jésus pendant qu'il est temps. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais il aura la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. La vie éternelle ne se trouve pas de la marabout. Ne se trouve pas de la fétichère. Ne se trouve pas de la fétichère. Ni si les leaders, même si c'est le leader de ta religion. Mais cela se trouve en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est bien seigneur pour toi. D'accepter Jésus. D'accepter Jésus. D'accepter Jésus. Et tu dois savoir que après ta mort, quel que soit le nombre de paix à ton âme, que les gens vont te souhaiter, tu ne vas jamais recevoir cette paix. Toi tu penses que après ta mort, tu iras au purgatoire. Et ce sont les gens qui sont sur ce monde, ils vont prier pour toi afin que tu aies le pardon de tes péchés. Laisse-moi te dire que tu te trompes. Après ta mort, il y a deux endroits à aller, soit le paradis, soit l'enfer. Mais pour aller dans le royaume des cieux, tu dois abandonner le péché. Tu dois accepter Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le Fils. Afin que tu puisses hériter le royaume des cieux. Il est le chemin que tu dois emprunter pour avoir la vie éternelle. C'est pour ça, mon frère, ma soeur. Tu dois accepter Jésus. Tu dois accepter Jésus. Tu dois accepter Jésus. Car les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Dieu veut chasser ce monde. Dieu veut châter ce monde. Dieu veut détruire ce monde. Mais si tu vis dans le monde, si tu prends ta confiance sur le monde, si tu prends ta confiance derrière les richesses de ce monde, si tu cours derrière les femmes, derrière l'argent, derrière les hommes, Dieu va te détruire aussi avec le monde. Tu seras détruit avec le monde. C'est pour ça
que tu dois accepter Jésus. Que tu dois accepter Jésus. Car il a versé son sang à la croix pour toi. Personne n'a versé son sang pour toi. Seul Jésus. Mais c'est à cause de son amour qu'il a fait cela pour toi. Alors, bien aimé, n'accepte pas que ces sacrifices viennent dans ta vie. N'accepte pas que ces sacrifices viennent dans ta vie. Acceptez Jésus pendant qu'il est temps. 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 Les temps sont finis. Les temps sont finis. Toi qui vis dans le péché. Tu la mort te surprend. Et il a ton âme. Toi qui prends ta confiance sur le maquillage. À ça, que tu veux partir quelque part. Dans la cérémonie au marché. Tu te maquilles. Tu t'habilles sexuellement. Tu mets les tenues moulantes. Des tenues serrées. Tu la mort te surprend. Où ira ton âme? Toi qui pars, c'est la chambre noire, c'est la prostituée. Fais la chambre noire. Si tu meurs, si la mort te surprend, où ira ton âme? Où ira ton âme? Alors bien aimé, accepte Jésus pendant qu'il est temps. Mon frère m'a dit, accepte Jésus pendant qu'il est temps. Quand les temps sont finis, Jésus est bien. Jésus est bien. Et Jésus va venir pour cesser ses genoux. Alléluia. Et que Dieu soit béni. On revient encore le premier équipe pour continuer la suite. Jésus-Christ, Moussaé,
donne-lui ta vie. La croix est change de camp. Semblez bien, semblez bien à Jésus-Christ. Bienvenue Jésus. Jésus. Si vous me venez encore quelque chose. Vous appelle ce matin. Écoutez-moi bien. Ah. Le Seigneur nous dit que dans les derniers temps, il reprendra de son esprit. Le Seigneur va les bénir. Cela est synonyme d'élévation. Et pour de la vie, de préparer tous les domaines de la vie. Cela dit quoi? Cela signifie que dans les derniers temps, le Seigneur va élever tous ses enfants. Il va élever tous ceux qui le craignent, tous ceux qui marchent selon sa volonté, tous ceux qui marchent selon sa parole. Il va leur donner les postes les plus élevés. Le moment vient, et il est déjà là, où sans la présence d'un enfant de Dieu dans ton entreprise, celle-ci ne prospérera pas. Le Seigneur agit ainsi afin que l'humanité soit témoin de sa gloire, de sa puissance qui restaure, qui vivifie, qui élève. C'est ainsi qu'il viendra enlever l'Église et juger l'humanité. Tous auront au moins entendu parler de lui. On aura vu sa main œuvrer. Cette main qui plongeait dans une poubelle, en extrait une ordure, la nettoie, lui donne un éclat et la place à la tête des nations. Chef, c'est eux. Alléluia. Pas tant que l'amour. Alléluia. Pas tant que l'amour. Alléluia. Les prophéties s'accomplissent. Il n'a pas besoin de prophéties pour commencer à danser. À celui qui danse, parce qu'il ne t'a plus de sa joie. Le gouvernement est déjà en place. La monnaie unique est en route. Le chiffre de la bête porte une vérité. Alléluia. Jésus-Christ est à la porte. Même les États-Unis, je te dis à la côte d'Amérique. Alléluia. Le passage du Saint-Esprit. Oui, c'est pas le Saint-Esprit. Lui ne peut pas résister. Amen. C'est mon temps. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. 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 Oh, modèle Jésus, yam sanke tan vivre bete. Si yam kouma pore, se naman le kaye. Se modèle Jésus, yam sanke tan vivre bete. Si yam kouma pore, se naman le kaye. Yam sanke tan vi wakate,
Si on couvre pour eux, c'est la balle les cahiers. Je vous ai le Jésus, y'en fait qu'il est un vieux wakate. Si on couvre pour eux, c'est la balle les cahiers. Ma sombre, c'est un wadel la saisie, pour s'en qu'il est un vieux wakate. Si faut qu'on va pour eux, c'est la balle les cahiers. C'est où est le Jésus, Yam Seke Tavi Wakate, si Yam Kouma Pouhé, c'est la manne le Basambo. C'est où est le Jésus, Yam Seke Tavi Wakate, Basambo. Si Yam Kouma Pouhé, c'est la manne le Kaye. Yé Tavare Katouin Fanyami, Yatouni Belali. Yati bele yama tudubi la ti wabino sasanga dunia bavare katun fanyami yatuni bele wali yati bele yama tudubi la ti wabino sasanga se wale la jesu yamse kete vi wakate si yamko wapune se namana le kaye se wale la jesu yamse kete vi wakate. Quand tu vis dans le péché, il faut te faire un peu de temps.
sugui. Tu as de repas. Bari rokato wate. Parce qu'un temps vient. Raro wate. Un jour vient. On a ouvert. Un jour vient. Tu fais non la pigne couto la kate yikuto. En voulant te lever toi-même, tu ne pourras plus. La voix de ta vie, ma baby nombre. Mais au moment où tu as la vie, bien aimé. Wakat na loom bien fait yik tu fais pas Jésus. Il est temps pour toi de chercher Jésus. Tu nous as donc comme le dire pour ton Dieu. Comment tu suis la religion? Na yina to ko pa fare. Pour pouvoir être sauvé. Tu nous as donc pour le dire donc pour ton Dieu. Le monde suit beaucoup de religions. Na yina to ko pa comme si ça fare. Pour avoir le salut de les âmes. La base de bien fait. Je veux te dire. Tu fais que tu n'y as pas. Il n'y a pas de salut en un autre nom. Jésus te parle, il parle à ton cœur. Jésus comme n'est pas sourd. Il parle à ton cœur. De venir à lui. Il y a pas mon code vivre sa cassette. C'est lui qui donne la vie éternelle. Il y a pas mon code vivre sa cassette. C'est lui qui donne la vie éternelle. Jésus la vie ma chérie. C'est Jésus qui a la vie. Jésus qui m'a condamné à piquer sur vous. C'est Jésus qui allait à la croix. En dehors Zima. Il a versé son sang. Mais il dit ni pas de n'être pas mal. C'est celui qui va croire à lui. Il aura le pardon de ses péchés. Pas vite on sait. Bien aimé. Mais vous avez raison. Mais c'est pas là-bas seulement. On se limite pas là-bas. Tu te pour suivre Dieu. Pour avoir le pardon de tes péchés. Bien aimé. Tu dois avoir Jésus dans ta vie. Tu dois avoir Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus. Si tu n'as pas accepté Jésus. Malgré tes bonnes œuvres. Tu ne peux pas être sauvé. La bonne chose ne peut pas effacer le péché de votre vie. Pour que tes péchés soient effacés, tu dois te repentir. Bien aimé, si tu crois que tu peux tuer pour avoir de l'argent, pour construire comme tu veux, pour construire les églises, la mort, pour aider les autres, là, la veuve. Parce que personne ne peut acheter quelque chose avec Dieu. On ne peut pas acheter Dieu avec l'argent. Parce que l'eau et l'argent l'appartient. Voilà pourquoi tu es là. Je veux te dire cela. Tu te tapes la poitrine. Tu vas tomber sur moi. Et tu penses que tu es bon. Tu ne peux pas faire. Tu vas obtenir le bonheur. Cela ne suffit pas. Tu dois croire en Jésus. Tu te
pas la foi en Jésus seulement. Parce que même les démons croient en Dieu. Parce qu'ils savent que Dieu est grand. Mais pour qu'ils soient sauvés, mais ils doivent croire en Jésus. Et Jésus n'a pas besoin de son sang pour les démons. Il n'a pas besoin de son sang pour les gens déçus. La rare azima misal benyinga. Mais il a versé son sang pour l'humanité. Il y a une phase dans le débat pour que celui qui va croire en son nom, il a le pardon de sa péché. Il a le pardon de sa péché. Bien aimé, reçois Jésus. Je te dis que Jésus a le chemin. Jésus a le chemin. Il a le chemin. Jésus a vive. Il a le chemin de la vie. Il y a une côte vive sur cassette. C'est lui qui donne la vie éternelle. Il y a une locune de salva de couvert. C'est lui qui déchire. Libère de la mort. C'est lui qui délivre de l'esclavage de la mort. Bien aimé. Le cœur des hommes se détourne vers le mal. Mais Dieu veut que les hommes se retournent vers lui. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Pour que Jésus soit un modèle parfait. Pour montrer à l'humanité ce qu'il doit faire pour suivre Dieu. Voilà pourquoi bien aimé, toi qui prie les idoles, toi qui es toujours ingénieux devant les toi, tu es toujours devant des fesses, tu es toujours devant des creux, tu es toujours des photos en croyant que c'est des photos de Jésus. Tu dois te repentir parce que Jésus n'a pas de photos. C'est quel photographe qui a été au temps de Jésus? Jésus n'a pas de photo. Tu dois croire en Jésus dans ton cœur. Tu dois croire en Jésus dans ton cœur. Parce que Jésus vit. Il n'est pas à la croix. Il vit. Mais son nom donne la vie. Son nom guérit. Son nom ressuscite. Son nom délivre. Bien aimé. Tu ne peux pas aller au ciel. Si tu prends ton cœur en ne voulant pas recevoir Jésus, tu refuses Jésus. Tu refuses Jésus. Tu refuses Jésus. Tu refuses Jésus. Si tu es Jésus, tu es Dieu. Parce que tu ne peux pas aller au ciel. Tu n'as pas Jésus. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu n'as pas Jésus dans ta vie. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Bien aimé, tu cherches la vérité. Jésus te dit, je suis la vérité. La vérité, il a dit, je suis la vérité. Si tu veux qu'après ta mort, tu ne peux pas vivre ce que c'est. Tu dois recevoir Jésus. Jésus. Tu dois accepter Jésus. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est la vie. Et Jésus est vivant. Il est la vie. Jésus. Si tu n'as pas Jésus, Jésus a qu'à vivre. Oui, ton esprit n'a pas la vie. Jésus. Si tu n'as pas Jésus, Jésus a qu'à vivre. L'esprit n'a pas la vie. Jésus a le qu'à vivre. Ensuite, ton esprit n'a pas la vie. Tu ne peux pas aller au ciel. Mais parce que la parole de Dieu. Tu n'as pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mort. Il est un Dieu vivant. Parce que devant Dieu, tout le monde vit. Mais Jésus est là. Mais Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt ici, le dernier jour, je vais le ressusciter. Je vais ressusciter le dernier jour. C'est obligatoire pour toi de recevoir Jésus. Le nom de Jésus à toi. Je vais ressusciter le dernier jour. Voilà pourquoi bien de Dieu salut à la religion. Il n'y a pas de salut dans la religion. Le salut se trouve en un nom. Le salut se trouve en un nom. Ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. La vie se trouve en un nom. La vie se trouve en Jésus. Le Yukangla Jésus, le nom c'est Jésus. Le côté you pour la délivrance se trouve en Jésus. Le Yukangla Jésus, le nom c'est Jésus. Bien aimé, soudain la main à ce que tu dois. Le diable a fait de telle sorte. Mais il est dit, mais qu'est-ce que Jésus y aura? Que les gens aient le nom de Jésus. Il est dit, mais qu'est-ce que Jésus y aura? Que les gens nient le nom de Jésus. Parce que ça t'a fait. Que Jésus y aura. Que le nom de Jésus. Pour faire qu'on n'y salve pas. A été étonné pour le salut de l'humanité. Que la nisselle va s'en sacrer. Que
humanitaire, toi, au nom de Jésus, ils seront délivrés, ils seront sauvés. Voilà pourquoi Dieu de si on ne parle pas du nom de Jésus, tu te mets déjà en colère. Tu te mets en colère. Si on te demande, qu'est-ce que Jésus t'a fait? Je dis qu'il t'a rien fait. Est-ce qu'il t'a excité? Il t'a persécuté. Pourquoi tu ne veux pas entendre parler de Jésus? Ça peut prouver que ton esprit, ton âme est dans l'esclavage des démons. Les zindamas sont mis. Et comme les démons savent, ils ne peuvent pas résister au nom de Jésus. Il y a une raison pour laquelle ils sauvent. Ils sèment la haine dans ton cœur. Afin que tu aies Jésus. Raison pour laquelle tu es aimé. Arrête de détester le nom de Jésus. Arrête de te mettre en colère quand tu parles de Jésus. Parce que c'est le nom qui sauve. Qui donne la vie. Jésus t'appelle ce matin. Reviens à Jésus. Viens recevoir Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas reçu le pardon de tes péchés, tu ne peux pas avoir le salut. Bien aimé, toi qui es chrétien, qui pars à l'église, tu peux me dire que tu travailles même à l'église. Tu dis que tu es chrétien à plus de 20 ans. Tu dis que tu es baptisé à plus de 20 ans. Tu as connu Jésus à plus d'années. Tu dis que tu as connu la création de l'église. Tu dis que tu connais la création de l'église. Tu dis que tu connais la sœur de l'église. Tu dis que vous vous suivez avant. Quel est l'important de ces choses? Quel est l'important de ces choses? Jésus ne va pas te demander quel est le nombre d'années que tu as fait à l'église. Quel est le nombre d'années que tu as fait à l'église? Et Jésus va te demander, est-ce que tu as obéi à sa parole? Bien aimé, si tu ne te repens pas, si tu n'as pas reçu la nouvelle message, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Tu ne peux pas aller à l'église. Tu dis que tu as Jésus. Et que tu exploites ce devoir. Tu exploites tes fesses devant. Repens-toi. Pas qui vit dans la tromperie. Pas qui trompe ton mari. Pas qui trompe ta femme. Pas te repentir. Jésus t'appelle ce matin. De revoir ta vie. De revoir ta vie. Bien aimé. Repentez-vous. Vivez dans la sanctification. Sans la sanctification, il ne verra le royaume de Dieu. Sans la sanctification, il ne verra le royaume de Dieu. Tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Bien aimé, il ne suffit pas de parler de Dieu seulement. Mais nous devons vivre la vie de Dieu. Travaille selon Dieu.
Bien-aimé, lève-moi à Jésus n'aime. Reviens à Jésus. Lève-moi à Jésus n'aime. Reviens à Jésus. Lève-moi à Jésus n'aime. Revenez à Jésus. Lève-moi à Jésus n'aime. Revenez à Jésus. Jésus va te sauver. Jésus va te sauver. Jésus va te délivrer. Jésus va te faire fort. Jésus va te sauver. Jésus va te faire fort. Jésus va te sauver. Waré Bamba. Je recevoir Jésus. 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 Wata Jésus n'aura fort. Je Jésus t'aime. 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 Waré à Jésus. Je recevoir Jésus. J'ai accepté Jésus. L'ennemi ne te trompe pas. En marié, en pensant que tu penses que tu es déjà suffisant. Non. Non. Tu n'es pas suffisant. Tu ne connais pas d'abord Dieu. Parce que Dieu dit. N'aime pas de s'humilier devant lui. Et tous ceux qui s'humilient devant lui. Et que le cherchent. Ils le connaîtront. Bien aimé. Jésus. La vie est dans le nom de Jésus. Les temps sont finis. Jésus revient. Si je viens de trouver et que tu n'es pas prêt, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Bien aimé. Je recevoir Jésus. Je recevoir Jésus. Je recevoir Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, il est mort. Le Fils de l'homme est venu le chercher. C'est le Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la porte. Laissez-moi vous avaler quelque chose. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et lorsque nous comptons les années depuis Adam et Ève, en passant par les hommes comme Noé, Abraham, David, jusqu'à l'époque de Jésus-Christ de Nazareth, nous comptons 4000 ans. De Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous comptons 2000 ans. Cela fait un total de 6000 ans. Nous sommes alors dans le 7e millénaire. Et Dieu nous dit encore dans sa parole que 1000 ans à ses yeux sont égaux à un jour. Nous pouvons conclure que ce millénaire correspond au 7e jour, le jour du retour, le jour du Seigneur. Alléluia. Dieu aura. Alléluia, gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous vous saluons au nom de Jésus Christ. Nous sommes ici dans le marché de Arbiare. Alléluia. Nous avons prêché l'évangile. Les âmes sont touchées. Nombreux ont confessé le Seigneur. Alléluia. Et nombreux sont toujours dans l'attente, dans le but de recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Shalom, shalom. Jésus, 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 Jésus. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ nous délivre.
Jésus-Christ revient bientôt. Quel aussi Jésus-Christ est ici là. Pour chercher son église. Dire Dieu les filles et ton nom. Pour chercher son église. Dire Dieu les filles et ton nom. Revenez à Jésus-Christ. Me laisse Jésus-Christ. Jésus-Christ vous tend la main. Jésus-Christ vous mérite la main. Il vous dit venez à moi. Vous venez à moi. Vous qui êtes fatigués. Les milliers pour son. Estargés. Yenne vous dit, je vous donnerai le repos. Il a l'air de vous le faire. Le repos se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Wow, non, Flavie, ici, Jésus-Christ de Nazareth, le nez. Toi, catholique, il a donné catholique. Il a donné des statues dans ton église. Il a mis des statues dans ton église. Sors de cette église. Yenne qui t'a donné. Parce que quand tu vas dans cette église, la voix de l'Église t'a donné. Tu ne verras pas le Seigneur. Jésus-Christ est ton Dieu jaloux. Jésus-Christ, mon Yahweh. Il n'aime pas l'idolâtrie. Mon bonbonnier, j'aime un zéro. Sors de cette église catholique. Cette église abominable. Église vieille de Ramadan et Yahweh n'est pas ici. Il pratique le péché. Non, c'est pas car de nous n'était. Parce que les frères ne vous disent pas la vérité. La fratrie de nous n'est pas. Ils ne connaissent pas la vérité. Comment nous n'est pas. Ils sont en train d'amener les gens en enfer. Non, mais vous n'êtes pas de nous n'est pas de nous n'est pas de nous n'est pas de nous n'est pas de nous. Quoi catholique, Jésus t'aime. L'homme est un homme catholique, Jésus-Christ veut donner le. Réponds-toi de tes péchés. Tu veux ces vacances. Ce n'est pas la religion qui va te sauver. N'est pour le dîner, moi, le Michel. Mais c'est ta relation personnelle avec le Seigneur. Oui, c'est divin, c'est ça, Boron, l'homme, moi, le Michel. Toi qui avortes. L'homme est un homme catholique, Yanni Yakobi, Yanni avorté. Toi qui joues avec les hommes. Yon, Khaleb, Yanni, 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 des médicaments pour détruire cette grossesse. Chaque que tu as commis un crime et tu rendras compte à Dieu. Réponds-toi, toi, jeune homme. Toi qui cours derrière les filles. Jésus-Christ te demande de te repentir. Jésus-Christ me demande de tous ces vacances. Si tu ne peux pas te tenir. Cherche une femme. Jésus-Christ te demande de te répandir. Jésus-Christ me l'a dit de tout. Toi que tu vois comme ça. Moi aussi j'étais dans l'impudicité. Mais aujourd'hui le Seigneur m'a fait grâce. Il a transformé ma vie. Il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Fais comme moi. Pour que le Seigneur. Nir barambi tem mana sopi sa dunna wa ki chef le marabu yami na xamantene yaangi setti serigne fi attendé le c'est lui le véritable Dieu mom moy yalla bu deug bu et c'est lui qui va nous juger te mom moy ki leni atté nous serons devant le tribunal de Dieu nous ñet leen taxaw ci nuru atté kay yalla est-ce que tu es sûr d'aller au ciel non wéna la di nga dama jëna à cause de tes péchés non c'est bakar à ton péché irritera le royaume des cieux. Amon bel bakar kat buy dugg ci nguri yalla. Cherche véritablement le Seigneur. Demon wut ce deug deug borom bi. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ bëgg na la. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ bëgg na la. Il a versé son sang. Mon nom tout de retard. Pour que tu sois là. Hier nga man fe nek. Beaucoup sont morts. Ñu bari tay genn nañu aduna. Ils sont dans les hôpitaux. Ñeneen ñi ngi ci hôpital yi. Ils attendent le jour de leur enterrement. Ñi ngi xaar def bu leen ci. Jésus-Christ vous appelle. Jésus-Christ mu ngi leen yo. Jésus-Christ vous appelle. Jésus-Christ mu ngi leen yo. Parce qu'il vous aime. Non té dam leen sopp. Regarde le monde. Xolal xol leen aduna ci. Les gens cherchent la richesse. Ñepp ñi wut alal. Au lieu de chercher à sauver ton âme. Au lieu de chercher le royaume des cieux, non, Dieu nous nous rien. Toi, tu cherches le travail, l'argent et les richesses de ce monde. Mais nous dit moi, Alal, l'idée à Khalis Abdulassi. Mieux va chercher le royaume des cieux. Nous gagne moins de route nous rien. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de repentance. Reviens à Jésus-Christ. Quel le signe c'est Jésus-Christ. Toi qui t'es vivant de la mort. Jésus-Christ te demande de te répentir. Jésus-Christ nous l'a aidé de tous ces matins. Toi qui agresses les gens. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ nous l'a aidé. Toi qui mets les boucles d'oreilles. Jésus-Christ t'appelle à te répentir. Jésus-Christ nous l'a aidé de tout. Parce que encore normalement,
Jésus-Christ te demande de te répandir. Jésus-Christ me guérit de tous ses vacances. Toi qui mets les mèches sur ta tête. L'homme de mon Ibrahim ne sait pas beaucoup. Tu ne sais pas d'où sortent les mèches. Comment mèche est une femme de Dieu. Mais tu es en train de corriger Dieu. Ouais, comment les gens qui viennent corriger alors. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il y a le sac, mille avec vos pommes. Réponds-toi de tes péchés. Tout ce que tu as fait sur la terre. Les poules de défense du Père Souffle. Tu vas le payer. Les petits confrères du Canaboro. Toi, on qui met les traces sur ta tête. Y'a un calé bougère, bille tout ce caro. Tu fais des boutons de l'air sur ton malheur. Y'a un calé bougère, bille de l'air sur ton malheur. Jésus te demande de te répandir. Jésus-Christ me l'aide de tous ces vacances. Jésus-Christ te demande de te répandir. Jésus-Christ me l'aide de tous ces vacances. Toi qui portes les pantalons. Le vie du sale et pantalon. Tu mets le maquillage. Le vie du sale maquillage. Tout ça transforme du monde des ténèbres. Le lèvre du Saint-Anne. Parce que tu transformes ta nature. Jésus-Christ est à l'année. Jésus-Christ est à l'année. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ veut que l'on. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ veut que l'on. Ce n'est pas les traditions qui vont te sauver. Ne coule plus pour ça ni le Michel. Mais celui qui sauve, c'est Jésus. Mais il faut y foutre la demande Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Quand je vois cette douleur Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Je vois cette douleur Jésus-Christ. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Comment l'homme m'en a fait ou l'autre. Tu ne sais pas ce qui va arriver tout de suite. Comment l'homme m'en a fait ou l'autre. Peut-être aujourd'hui, avant la nuit, tu vas mourir. Aimez où ira ton âme. Les gens s'intéressent à la richesse. Mais ils ne s'intéressent pas de l'âme. Cherche le Seigneur. Et il se révélera à toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous prenons le chemin qui mène au ciel. Nous n'avons tout dit, nous donnons tu es radin. Jésus-Christ dit, beaucoup viens à moi, mais pas seront sauvés. Jésus-Christ vient de nous barrer, tu es notre main, mais nous moutons de nous barrer. Pose-toi la question, est-ce que moi je serai sauvé? Nous l'avons de beaucoup de mal, est-ce que tu n'as mouché? Quand tu meurs, on t'en perd, c'est fini. Bon, après, tu vas gagner à droite, nous sous le diable. Tu vas rester avec Dieu et Dieu va te juger. Yo, qu'est-ce que y a, Jacques, alors, grand but, maman, je l'ai atteint. Quand ta maman et ton papa ne seront pas là. Ça pas pour assayer du café. Vous plaidez pour soi. Lire maintenant d'appeler là. Jésus-Christ te demande de te répandre. Jésus-Christ me met au dire de tout. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ veut que le roi des rois t'aime. Bourbouri s'opposer. C'est lui le Dieu de vérité. Maman y'a la boute de vie. C'est lui seul qui n'a jamais péché. Maman pour Moussou Baka. Le Coran a dit que Jésus n'a jamais péché. Alors là, Jésus-Christ Moussou Baka. Mais pourquoi tu suis quelqu'un qui pêche? Nous t'en ai pas pour qu'il a ramené de mon Baka. Mieux vaut de suivre quelqu'un qui n'a jamais péché. Nous donne moins de temps pour qu'il a ramené de Moussou Baka. Jésus-Christ de Nazareth. C'est donc Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie à Jésus. Devant cette douleur, Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus. Qui dit son rôle, Jésus-Christ. Pour que Jésus puisse rentrer en toi. Dis Jésus-Christ, mon âme, tout sur cette douleur. Afin de transformer ta vie. Dis mon âme, sortir cette douleur. Afin de te donner une nouvelle vie. Dis donc la douleur de baisse. Afin que ta vie soit changée. Dis ce douleur, mon âme, sortir cette douleur. Réponds-toi de tes péchés. Tout mon âme, bacard. Réponds-toi de tes péchés. Tout mon âme, bacard. Jésus-Christ revient bientôt. Aussi Jésus-Christ de Gessina. Aujourd'hui nous sommes Noé. Tejile, nous sommes le prophète Noé. Tejile, Noé. Qui cria en disant les gens. Noé, bien comme un terrain de la nuit. Que se répandit. Dans le milieu, nous tous sommes bâtards. Mais les gens ne prêtaient pas attention. Oui, nous sommes le monde de Noé. Parce qu'ils aimaient le monde plus que Dieu. Dans le milieu, Noé, Abdullah. Maman nous dit d'aller bailler à l'éternel. Il cherche à plaire le monde que de plaire à Dieu. Lui, gagne moi, l'univers à Dulassi, ou à Dulassiel. Jésus-Christ te demande de te répandir. Jésus-Christ nous l'aide de tous ces bâtards. Nous sommes à la fin. L'antichrist est là. Wow, qui dit déjà lui j'ai signé. Bientôt il va régner sur la terre. Et c'est lui qui va prendre le contrôle de la terre. Et c'est lui qui va te donner la marque 666. Maman il te donne marque 666. Réponds-toi lors de tes péchés. Le jour où tu voudras te répandir. Ce jour-là, tu vas le regretter. Ce
Jésus-Christ, c'est le péché. Répandons-nous de nos péchés avant que Jésus-Christ revienne. Parce que la trompette va sonner. Et tout il verra le Seigneur. Tout il verra le roi des rois. Même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ils vont voir le roi des rois apparaître. Ton marabout ne peut pas te donner la vie éternelle. Mais donne ta vie à Jésus. Parce qu'il a fait le plus grand sacrifice pour toi. Il a payé le grand prix. Pour que tu sois sauvé. Donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ veut de l'aide. Ne tarde pas. Jésus-Christ. Ne dis pas demain ou après-demain. Parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure. Quand la mort viendra t'arracher. La mort n'avertit personne. Quand tu sois jeune, enfant, vieillard, tu vas mourir. Mais est-ce que tu connais le jour de ta mort? Prépare-toi pour entrer au ciel. Au lieu de vivre dans le péché, au lieu de vivre dans les choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ veut que nous. Il ne vous demande pas la richesse. Il ne vous demande Jésus-Christ l'a dit en Khalis. Mais votre âme. Votre âme est tellement chère devant le Seigneur. C'est l'âme qui est plus importante de ce monde. Parce qu'après la mort, c'est l'âme qui va être jugée. Répare-toi de tes péchés. Toi qui portes des habits sexy. C'est comme si tu es nu devant le Seigneur. C'est comme si tu es né devant le roi des rois. Ouvre ton corps. Parce que le corps ne doit pas être exposé. Tout ça, c'est l'inspiration du diable. Le diable a corrompu le monde. Les gris-gris ne peuvent pas t'amener au ciel. Parce que quand tu vas, ils vont enlever les gris-gris. Il n'y a personne qui meurt pour l'enterrer avec les gris-gris. Est-ce que si quelqu'un meurt, on va l'enterrer avec les gris-gris? Si les gris-gris pouvaient te sauver, tu allais entrer au ciel. Jésus-Christ est commandé. Jésus-Christ nous l'a dit tous ces vacances. Toi qui cherches les féticheurs. Il y a des gens qui sont en train de gaspiller ton argent. Réponds-toi de tes péchés. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne seras jamais sauvé. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, Lui ne peut aller au Père sans passer par lui. Ce jour-là, tu seras étonné. Ce jour-là, tu vas regretter pourquoi tu es né. Jésus-Christ voulait tous ces vacances.
si nous trouvons ce Dakar. Le clan familial sort du monde des ténèbres. Notre clan familial est Satan. C'est le diable qui a amené cela dans le monde. Mais le Satan est mon consentement à tout le monde. Le diable est en train de manipuler l'humanité. Et Satan est mon ennemi. Notre plus grand ennemi, c'est le diable. Sous le nom du gouvernement, c'est Satan. Notre plus grand ennemi, c'est le diable. Sous le nom du gouvernement, c'est Satan. Il ne nous aime pas. Non, pas de nous. Il faut que toute l'humanité aille en enfer. Le mot commun, moi, à tous les yeux, comme ça, ce qui nous prive du royaume des cieux, nous dit, règne à de la moïse, c'est le péché. Moi, Bakar. Jésus-Christ nous demande de se répandre. Jésus-Christ, mon Dieu, nous tous sur les Bakar. Le péché, c'est un cancer qui range votre, il range votre âme tous les jours. Repentez-vous. Repentez-vous, mes bien-aimés. Repentez-vous, car le salut est en Jésus-Christ. Ça, c'est de l'idolâtrie, c'est interdit dans la Bible. Tu lis ta Bible, ma fille? Ah ben, si tu le lis, tu as bien lu dans Lévitique. Non. Tu ne feras pas de représentation. Ça, c'est un bout de métal que tu me montres. Est-ce que c'est Jésus? Non, mais c'est là. Je porte ma croix. Je porte ma croix et la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. C'est pour cela qu'il faut faire de l'idolâtrie. Non, mais c'est pas ça. Ça, c'est de l'idolâtrie. Je porte ma croix. Après, tu fais ce que tu veux, ma fille. Je porte ma croix. Sois béni. Jésus revient bientôt, mets de l'eau dans ta vie, car les temps sont terminés. Alléluia, alléluia. Alléluia à Jésus, alléluia, amen. Jésus revient bientôt, mets de l'eau dans ta vie, car les temps sont terminés. Abandonne le péché, abandonne la vanité, car Jésus revient bientôt. Mets de l'eau dans ta vie, les temps sont terminés, Jésus revient pour nous chercher. Alléluia, 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 alléluia à Jésus. Repentez-vous maintenant, Jésus revient bientôt, car les temps sont terminés. Abandonne le péché, abandonne la vanité, car le salaire du péché, c'est la mort. Sortez de la vanité, sortez de l'aliénation, car Jésus revient bientôt. Alléluia, alléluia à Jésus, alléluia. Alléluia. Amen. Tenez mes bien-aimés. Donnez votre vie à Jésus. Les temps sont terminés. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies, peuple. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Venez, madame. Pour vous. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Tu es levé, véritable. Roi des rois, Dieu du Très-Haut, tu es levé, véritable, le roi des rois, le Dieu du Très-Haut, tu es levé, véritable, le roi des rois, le Dieu du Très-Haut, tu es levé, véritable. Tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia. On est aujourd'hui mardi. Je vais sur Alès encore aujourd'hui pour sonner de la trompette. Alléluia. Je suis sœur Esther de France Sud. Gloire, 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 gloire à Jésus. Il est levé, véritable. Il est le roi de gloire. Tu es levé, véritable, tu es le roi, roi de gloire. Merci Jésus,
d'être là, tu agis en puissance, tu es le véritable, tu es le Dieu du Très-Haut. Alléluia, gloire, gloire à Jésus, tu es le véritable, tu es le Dieu du Très-Haut. Tu es le véritable, tu es le Dieu du Très-Haut. Alléluia. Tenez, madame, je vous laisse un papier. Accepte Jésus et tu seras sauvé, les temps sont finis. Alléluia. Tiens, mon fils. Tu es le Dieu véritable, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu véritable. Merci Jésus d'être là. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Je vais faire mon travail. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Jésus vous aime, bien-aimés. Vous avez tort de passer. Donnez vos vies au roi des rois. Bientôt il sera trop tard, mes bien-aimés. Mettez de l'ordre dans vos vies. Jésus revient. Soyez bénis. Jésus revient nous chercher, mes bien-aimés. Il revient chercher ceux qui lui appartiennent. Soyez bénis. La paix de Jésus qui soit vous. Il revient très bientôt, peuple de la terre. Aplanissez les sentiers du grand roi. Mettez de l'ordre dans vos vies. Bientôt, il sera trop tard. Il sera bientôt trop tard, mes bien-aimés. Accourez à Jésus-Christ aujourd'hui. Accourez aujourd'hui à Jésus-Christ. N'attendez pas demain. Vous ne savez pas si vous allez arriver à demain. Accourez maintenant à Jésus-Christ. Donnez votre vie à votre Créateur. Sois bien, ma sœur. Jésus t'aime. Donnez votre vie à votre Créateur. Les temps sont terminés. Peuple de la terre, les temps sont finis. Mettez de l'ordre dans vos vies. Jésus revient. Le roi des rois revient bientôt. Le Seigneur des seigneurs est à la porte. Il n'attend que ta repentance. Pour faire sonner la trompette. Moi, je sonne la trompette de la repentance. Je sonne la trompette de la repentance. Bientôt, les anges vont sonner la trompette de l'enlèvement. Mais bien-aimés, ne restez pas sur cette terre après l'enlèvement. Accourez à Jésus-Christ. Accourez à la source de vie. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Sois bien, mon fils. Mettez de l'ordre dans vos vies. Bientôt, il sera trop tard. Bientôt, il sera trop tard, peuple de la terre. Jésus-Christ revient. Jésus revient bientôt. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli. Ça va, madame? Ok, parce que vous parlez très, très fort, ça fait mal aux oreilles. Ah, ça fait mal aux oreilles. Vous allez demander en enfer s'il ne voudrait pas que je les casse les oreilles. Vous avez la grâce d'être en vie. Sois contente que je te casse les oreilles. Sois béni, Jésus t'aime. Jésus t'aime, je le sais. Alléluia, il t'a cherché, retrouvé. Amen, amen. Ton sauveur t'a racheté à la croix. Il t'a donné le salut. Alléluia, 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 alléluia. Oh. Chantez pour Jésus-Christ. Alléluia. Oh, oh, oh. Jésus revient bientôt. Il revient nous chercher. Sois bien, ma sœur. Jésus t'aime, je le sais. Alléluia. Sois bien, ma bien-aimée. Il t'a cherché, retrouvé aujourd'hui. Ton sauveur t'a racheté à la croix. Il t'a donné le salut. Sois bien, ma fille. À la croix, Jésus a pris ta place. Alléluia. Il a quoi? Il est mort pour toi. Amen, amen. Ton sauveur revient bientôt. Mets de l'ordre dans ta vie. Chante alléluia. 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 Oh. Chante avec moi. Alléluia. Oh, oh, oh. Jésus revient nous chercher. Chantez alléluia, sois béni. Alléluia, 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 alléluia. Ouvre la bouche et chante alléluia.
Alléluia. Je lui donne. Soyez béni. Jésus revient nous chercher. À la croix, Jésus a pris notre place. À la croix, il est mort pour moi. Ton sauveur revient bientôt. Alléluia. Repentez-vous. Maintenant, chantez avec moi. Alléluia. 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 Ah, soyez bénis. Merci. Ouvre la bouche et chante pour Jésus. Alléluia. Oh, oh, oh. Jésus revient nous chercher. Chantez alléluia. Alléluia, 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 oh, chantez avec moi, alléluia, oh, oh, oh. Sabine ma fille, Jésus revient bientôt, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Victoire, tout est accompli, Jésus revient bientôt, tout est accompli, victoire, repentez-vous maintenant, Jésus revient bientôt, repentez-vous, Jésus revient, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire, Jésus, ta parole est vérité, amen. Ta parole est vérité. Amen. Ton retour est pour bientôt. Amen. Jésus, ton retour est pour bientôt. Amen. Jésus, ton sacrifice est pour bientôt. Amen. Ton sacrifice est éternel. Amen. Jésus, ton amour est infini. Amen. Ton amour est infini. Amen. Jésus, ton retour est pour bientôt. Amen. Ton retour est pour bientôt. Amen. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Et prendre l'olive et d'en ouvrir les seaux, car il a été immolé pour nous. Alléluia. Il est digne de prendre l'olive et d'en ouvrir les seaux, car il a été immolé pour nous. Il a racheté pour Dieu par son sang les hommes. De toutes tribus, de toutes langues. Il a racheté pour Dieu, par son sang, les hommes, de tout peuple, toute nation. Alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Jésus revient pour toi. Jésus revient pour moi, Jésus revient pour nous juger. Mets de l'ordre dans ta vie, les temps sont terminés, car Jésus revient bientôt. Abandonne le péché, le salaire du péché c'est la mort, car Jésus revient bientôt. Alléluia, alléluia à Jésus, alléluia, alléluia à Jésus. Jésus revient pour toi, Jésus revient pour moi, Jésus revient pour nous chercher. Mets de l'ordre dans ta vie, les temps sont terminés, car Jésus reviens bientôt, alléluia. Abandonne le péché, mets de l'ordre dans ta vie, car Jésus reviens bientôt. Sois béni, ma fille. Tiens, mon fils, la paix de Jésus-Christ soit avec toi. Tiens, ma fille, soyez bénie. Merci. Je vous salue dans le glorieux nom de Jésus-Christ Nazareth, le Dieu de toute chair.
le Dieu de toute âme, le Dieu de tout esprit, celui-là qui a laissé sa gloire au ciel, il aurait pu décimer la terre, comme il a fait au temps de Sodome et Gomorre, comme il a fait au temps de Noé. Trop d'abominations sur cette terre ont attisé la colère de Dieu. Il aurait pu décimer la terre, mais il a dit non, par amour pour lui-même. Il a laissé sa gloire au ciel. La parole s'est faite chair. Il est descendu parmi nous. Il a pris notre place à la croix. Il a versé son sang pour racheter l'humanité. Et qu'est-ce que l'homme, il a fait? L'homme, il pense qu'il s'est créé tout seul. Et l'homme, il pense faire ce qu'il veut. Il fait abomination sur abomination. Il ne fait que verser le sang qui ne s'est pas créé. Et le Dieu juste juge, il revient. Il revient bientôt te demander des comptes. Car tu fais du sacrifice de la croix. Car tu fais de son sang qu'il a versé pour toi. Que fais-tu de la vie qu'il t'a donnée? Les temps sont terminés. Je vous le dis en vérité, les temps sont terminés. Tu ne sais pas quand est-ce que le souffle de vie que tu as, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va être enlevé en toi. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter ce monde. Ça peut être maintenant, ça peut être ce soir, ça peut être demain. Mets de l'ordre dans ta vie. Car si tu n'as pas choisi ta destination maintenant, Satan va choisir ta destination. Je vous le dis en vérité. Accourez à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Parce que les temps sont terminés. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps sur la terre. Le temps qui nous reste, c'est pour implorer Jésus-Christ. C'est pour implorer sa grâce. Et pour se repentir. Repentez-vous. Car on n'a plus le temps, mes bien-aimés. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Car les temps sont finis. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Accourez à Jésus-Christ, abritez-vous. Abritez-vous en Jésus-Christ. Car il est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a de salut nulle part ailleurs que en Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu. Il vous appelle à la repentance. Quel que soit le nombre de crimes que tu as commis, mon frère. Ma soeur, quel que soit le nombre d'avortements que tu as fait. Jésus-Christ est le Dieu miséricordieux. Il demande que tu te repentes et que tu ne reviennes pas sur ton vomi. Que tu abandonnes le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ne meurs pas sans Jésus-Christ. Ne quitte pas ce monde dans le péché. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies maintenant. Si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Parce que tu ne sais pas si tu vas passer la journée. Je vous le dis en vérité. Parce que ton souffle de vie ne t'appartient pas. Abandonnez les vanités de ce monde. Car tout est vanité. Tout ceci n'est que vanité. À quoi te servirait-il d'avoir un gros compte en banque? À quoi te servirait-il d'avoir une belle femme, un beau mari, de beaux enfants, des grosses maisons, des voitures, les avions, d'acheter des pays si tu termines dans la GN? Mon frère, ma soeur, tu n'es que de passage sur cette terre maudite. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus dès que tu entends cette voix. Si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à ton Créateur, car bientôt il sera trop tard. Il sera trop tard bientôt. Sois bénie, ma fille. Sois bénie. Non. Tant que tu respires, mon fils, c'est pas trop tard. Ceux qui sont dans le séjour des morts, pour eux, c'est trop tard. Vous avez la grâce d'être en vie, c'est pas trop tard pour vous. Soyez bénis, bon appétit. Tant que tu respires, c'est pas trop tard. C'est une grâce que tu as de respirer encore. Utilise cette grâce
pour accourir à Jésus-Christ maintenant. N'attends pas demain. Tu ne sais pas si tu vas arriver demain. Soyez béni. Soyez béni. Jésus-Christ vous aime, peuple de la terre, ne veut qu'aucun de nous ne périsse. Soyez béni. Il ne veut qu'aucun de nous ne périsse, mes bien-aimés, parce qu'il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix de ton âme à la croix. Il a déjà souffert pour que tu aies la vie éternelle. Ce n'est pas pour que tu termines en enfer. Sortez de la vanité, sortez de la vie du péché. Car aucun pécheur n'ira au ciel, mes bien-aimés. Sortez de la vanité de ce monde. Car ce qui importe, c'est ton salut. Mais ton salut, c'est toi qui le cherches de ton vivant. Car notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Jésus, 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 Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus. Celui qui était, c'est Jésus. Celui qui est, c'est Jésus. Celui qui vient, c'est Jésus. Jésus, Jésus. Shalom, 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 c'est peuple de Dieu, c'est la sœur Phoebe. Voilà, c'est le troisième jour de la semaine de jeûne et de l'évangélisation. Je suis au centre-ville de Montpellier pour sonner le réveil au nom de Jésus-Christ, pour que les âmes qui dorment dans les prisons de Allah, dans les prisons de catholicisme, dans les prisons religieuses, que ces âmes soient délivrées pour le retour du grand roi. Alléluia. Salut ma fille. Sois bénie. La paix de Jésus-Christ soit avec toi. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Dans le monde entier, le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Réveillez-vous maintenant, mes amis. Alléluia, soyez bénis. Ne vous réveillez pas en enfer. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Dans le monde entier, le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Réveillez-vous maintenant, mes amis, car les temps sont terminés. Sois bien, ma soeur. Toutes les nations sont en train d'être connectées. Donnez vos vies à Jésus, les enfants. Les temps sont terminés. Abandonnez la vanité de ce monde. Tout est vanité. Ce qui compte, c'est le salut de ton âme. Si tu mourrais maintenant, où iras-tu, ma fille? Mettez de l'ordre dans vos vies. Jésus revient. Jésus-Christ revient, peuple de la terre. Tiens, mon frère. La paix de Jésus-Christ soit avec toi. Jésus-Christ revient, mes bien-aimés. Réveillez-vous, mettez de l'ordre dans vos vies. Abandonnez la vanité. Les temps sont finis. Repentez-vous. Soyez bénis. La paix de Jésus-Christ soit avec vous. Repentez-vous, peuple de la terre. Sortez des vanités de ce monde. Car vanité de vanité, tout est vanité. Ce qui compte, c'est le salut de ton âme, ma fille. Mon frère, ce qui compte, c'est le salut de ton âme. Si tu mourrais maintenant, où ira ton âme? Ne meurs pas sans Jésus. Le réveil a lieu. Alléluia. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. À Montpellier, le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Réveillez-vous maintenant, mes amis. Alléluia. Car les temps sont terminés. Jésus-Christ, le roi des rois, revient très bientôt. Le réveil a lieu. Mettez de l'ordre dans vos vies, mes amis. Alléluia. Ne vous réveillez pas en enfer. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu.
feu du réveil est allumé dans le monde entier. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu, sois mon frère. La paix de Jésus-Christ soit avec toi. Le feu du réveil est là. Que toutes les nations se font part. Que tous les saints se mobilisent. Que tous les élus se rassemblent pour accueillir le roi des rois. Le feu du réveil est allumé dans le monde entier. Le feu du réveil est là. Que toutes les nations se préparent. Que tous les saints se mobilisent. Que tous les élus se rassemblent pour accueillir le roi des rois. Oui, peuple de la terre, les temps sont finis. Jésus revient. Le roi des rois revient bientôt. Repentez-vous. Abandonnez votre mauvaise vie. Les temps sont terminés, mes bien-aimés. Mettez de l'ordre dans vos vies. Jésus-Christ revient bientôt. Le roi des rois revient bientôt. Mettez de l'ordre dans vos vies. Abandonnez le péché. Abandonnez la vanité. Il n'y a pas de petit péché. Tout péché conduit en enfer. N'allez pas en enfer, mes bien-aimés. Il fait chaud en enfer, n'y allez pas. L'enfer n'est pas pour vous et moi. L'enfer, c'est pour Satan. Ne l'accompagnez pas. Mettez de l'ordre dans vos vies. Les temps sont terminés. Jésus-Christ revient. Jésus revient, mes bien-aimés. Les temps sont terminés. Le feu du réveil est allumé à Montpellier. Le feu du réveil est là. Que toutes les nations se préparent. Que tous les saints se mobilisent. Que tous les élus se rassemblent pour accueillir le roi des rois. Le feu du réveil est allumé dans le monde entier. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Sois béni. Que toutes les nations se prêtent. Sois béni. Que toutes les saints, sois béni ma fille, se mobilisent. Que toutes les élus sera. Sois béni ma fille. Sera sans pour accueillir. Sois béni, Jésus t'aime. Souriez, Jésus vous aime. Mes amis, souriez, oh Jésus vous aime. Alléluia. Souris, mon frère, Jésus t'aime. Sois béni. Mes amis, souriez, oh Jésus vous aime. Alléluia. Souris, souris, Jésus t'aime. Mon frère, souris, oh Jésus t'aime. Alléluia. Si tu as envie, dis merci à Jésus. Merci pour la grâce, Jésus t'aime. Alléluia. Souriez, Jésus vous aime. Alléluia. Mes amis, souriez, oh, Jésus vous aime. Alléluia. Si tu respires, dis merci à Jésus. Merci, merci, oh, Jésus t'aime. Oh. Alléluia. Souris, Jésus t'aime. Alléluia. Mes amis, souriez, oh, Jésus vous aime. Pendant du péché, l'être humain n'aime pas qu'on lui dise de se repentir. Mais c'est sans la repentance, tu ne verras pas le royaume des cieux. Je vous le dis en vérité. Sans la repentance, tu ne verras pas Dieu. Mets de l'ordre dans ta vie. Car pour aller au ciel, il faut être saint. Le royaume des cieux, c'est pour les saints, mes bien-aimés. Car le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans sa parole, soyez saints, car je suis saint. Soyez saints car votre Père Céleste est saint. Abandonnez vos mauvaises voies. Abandonnez l'iniquité. Abandonnez la masturbation. Mais bien aimé, il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Tout péché conduit en enfer. Ne vous réveillez pas dans les temps de feu. Il fait chaud en enfer, n'y allez pas. Les temps sont finis. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient, mes bien aimés. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne savez pas le souffle de vie que vous avez. Quand est-ce qu'il va être réclamé? Ne mourrez pas dans le péché. Tu ne sais pas si tu vas arriver demain. Tu ne sais pas si tu vas passer la journée. Alors, donne ta vie à Jésus maintenant, Sabine, ma fille.
Donne ta vie à Jésus, repens-toi. Car sans la repentance, nul ne verra Dieu. Vous ne pouvez pas aller au ciel avec les abominations de la terre, avec le péché, ce n'est pas possible. Repentez-vous. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient, mes bien-aimés. Le roi des rois revient. Celui qui s'est fait sacrifice pour nous, il revient. Celui-là qui s'est fait sacrifice, il a laissé sa gloire au ciel. La parole s'est faite chair. Il revient nous chercher. Sois béni. Il revient chercher ceux qui lui appartiennent. Seras-tu parmi les vivants? Seras-tu parmi les rachetés? Ou parmi les condamnés, mon frère? Ma soeur, où seras-tu après ta mort? Où seras-tu parmi les rachetés ou bien parmi les condamnés? Je ne le souhaite à personne. Ne soyez pas parmi les condamnés. C'est pour cela que Jésus-Christ vous appelle aujourd'hui à la repentance. Abandonnez la vanité, abandonnez le péché. Mais tu es libre, mon frère, tu es libre, ma soeur. Tu es libre de choisir d'aller en enfer. Tu es libre. Tu es libre de choisir la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu es libre. Car le Seigneur nous a créés. Il nous a donné libre arbitre. Il nous a donné la connaissance du bien et du mal. Il te demande aujourd'hui d'abandonner ton péché parce qu'il sait qu'en enfer, tu ne supporteras pas une seconde. Il sait que dans le feu, dans la géhenne, tu ne supporteras pas une seconde. Il te laisse le temps de te repentir. Mais tu as le choix, tu choisis. Je te le dis en vérité. Choisis Jésus-Christ. Choisis, il est le chemin, la vérité, la vie. Choisis la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais tu es libre de choisir l'enfer. Tu es libre, mon frère, ma soeur. Mais je te dis que les temps sont terminés. Tu ne sais pas ton souffle de vie, quand est-ce qu'il va être demandé. Ne quitte pas ce monde dans le péché. Ne meurs pas dans le péché, mon frère. Abandonnez la vie de péché. Il n'y a pas de petit péché. Le mensonge, c'est un péché qui te conduit en enfer. La jalousie, c'est un péché qui te conduit en enfer. Il n'y a pas de petit péché. La fornication, c'est un péché qui te conduit en enfer. Le mensonge te conduit en enfer. Le vol te conduit en enfer. Tout ce qui est péché, c'est une amitié de Dieu. Quittez ce monde de vanité, car il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez pas ce monde de vanité, car nous ne sommes pas du monde, nous sommes de passage. Dans ce monde, sur cette terre, nous sommes que de passage. N'aimez point les terres, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Repentez-vous. Les temps sont terminés. On n'a plus le temps à perdre, mes bien-aimés. Le temps qui nous reste, c'est pour implorer le Seigneur Jésus-Christ dans sa grâce. C'est d'implorer sa grâce avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'après la mort, c'est trop tard, mes bien-aimés. Après, quand on n'a plus le souffle de vie, c'est trop tard. Tu as encore la grâce. Tu as encore la grâce. Tu respires encore. Tu as la grâce de te repentir. Je vous le dis en vérité, ceux qui sont dans le séjour des morts maintenant, ils aimeraient être à votre place pour se repentir. Mais ce n'est plus possible pour eux. Seigneur, pardonne-le, il ne sait pas ce qu'il fait. Ce n'est plus possible pour eux, mes bien-aimés. Vous avez la grâce d'être en vie. Mettez de l'ordre dans vos vies. N'allez pas en enfer, mes bien-aimés. L'enfer n'est pas pour vous. L'enfer, c'est pour l'ennemi de nos âmes. Il s'appelle Satan, ne l'accompagnez pas en enfer. N'allez pas en enfer, mes bien-aimés. Donnez vos vies à votre Créateur. Donnez votre vie au Dieu qui nous aime. Le Dieu qui t'a créé. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il revient bientôt. Il revient bientôt, mes bien-aimés. Il revient bientôt, mes bien-aimés, nous chercher. Mets de l'ordre dans ta vie. Abandonne la vie de péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Abandonne la vie de vanité. N'aimez point ce monde de vanité. Car tout passera. Mais Jésus-Christ ne passera pas. Ton âme ne passera pas. Ton âme va rendre compte de ton voyage sur la terre. Je te le dis en vérité. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Saint Jésus ne passe pas. Les insultes vont passer.
Les insultes vont passer. Les insultes vont passer. Saint Jésus ne passe pas. Le péché va passer. Le péché va passer. Le péché va passer. Saint Jésus ne passe pas. La vanité va passer. Ce monde de vanité passera. Le monde va passer. Saint Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, mes amis. Ce monde va passer. La vanité de ce monde passera. Saint Jésus ne passe pas. La vanité va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Oh. Sabine, ma fille. La paix de Jésus-Christ avec toi. Saint Jésus ne passe pas. Le monde va passer. Le monde va passer. Le monde va passer. Ce monde va passer. Oh. Saint Jésus ne passe pas. Tout ceci va passer. Le monde va passer. Oh. Sabine, mon frère. La vanité va passer, oh, Saint Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, le monde va passer. Le monde va passer. La vanité va passer, oh, Saint Jésus ne passe pas. Tout ceci va passer. Ce monde va passer. Tout ceci va passer, mes amis. Saint Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. La vanité va passer. Oh. Saint Jésus ne passe pas. Donnez vos vies à Jésus-Christ, mes bien-aimés. Lui ne passera pas. C'est lui le chemin, la vérité, la vie ne passera pas. Ce monde va passer avec tout ce qu'il renferme. Tout va passer. Ton compte en banque, ton argent va pourrir dans ton compte. Ta maison va pourrir. Tout va pourrir. Ton corps va pourrir, mon frère, ma soeur. Le corps que tu idolâtres aujourd'hui, demain il sera bouffé par les vers. Mais Jésus-Christ ne passera pas. Ton âme ne passera pas. Il va rendre compte, mot pour mot, de tout ce que tu as fait sur la terre. Ton âme va rendre compte, mon frère. Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui. Il revient. Il revient bientôt nous chercher. Il revient bientôt chercher ceux qui lui appartiennent. Les temps sont terminés. Les temps qui nous restent, c'est pour implorer Jésus-Christ. Soyez bénis. La paix de Jésus-Christ soit avec vous. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Oui, oui, c'est pour aller lire. Moi, je crois, voilà, c'est pour lire. Merci. Et puis, ça nous concerne. C'est courageux, voilà. Ce que vous faites, c'est bon. Merci, c'est bon. Soyez bénis. Merci. Soyez bénis. Merci. Tout est accompli, le voile est déchiré. La ville de la Grande Combe aujourd'hui, mercredi, alléluia. Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient, il revient nous chercher. Tenez mes soeurs. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Les temps sont finis. On l'appelait Aïssa dans la sourate. Nous, on l'appelle Jésus. Et le nôtre aussi, c'est pareil. Ben, c'est le même. Vous l'appelez Aïssa, nous, on l'appelle Jésus. Tenez ma soeur. Aïssa, c'est un prophète comme... Nous, on l'appelle Jésus et il est Dieu pour nous. Ma soeur, soyez bénie. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient, il revient nous chercher. Tenez, accepte Jésus, mon frère. Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient, il revient nous chercher. Tenez, mon frère. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Les temps sont finis. Shalom, bonjour. Tenez. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Les temps sont finis, ma sœur, mon frère. Jésus est à la porte du ciel. Il revient bientôt. Il vous aime. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dites bonjour à l'Église. Jésus revient. Tiens, mon frère,
Jésus, mon frère. Jésus, reviens, tenez. Accepte Jésus et tu seras sauvé, mon frère. Les temps sont finis. Jésus est à la porte du ciel. Je ne peux pas lire. Demandez à quelqu'un de lire. Un enfant, votre compagne. Mais en tout cas, Jésus revient, il faut chercher sa face. Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient, il revient nous chercher. Tenez ma soeur. Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient, il revient nous chercher. Bonjour mesdames, tenez, soyez bénis. Mesdames, bonjour. Non, non, je sais. Soyez bénis, Jésus vous aime. Jésus revient. Jésus revient. Comment? Ah, vous êtes athée, mon frère. L'enfer, il fait chaud. Accepte Jésus. Essaye de comprendre qui il est, Jésus. Il est vivant. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Il revient nous chercher. Jésus vous aime. Alléluia. Jésus est à la porte du ciel. Il revient bientôt. On connaît. Alléluia. Il y aura là-dessus. Priez Jésus. Il revient bientôt. Soyez bénis, ma sœur. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Il revient nous chercher. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui au marché. Accepte Jésus, mon frère. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Il revient nous chercher. Alléluia. Alléluia. Jésus revient, il revient nous chercher. Tenez ma sœur, Jésus vous aime. Jésus revient. Bonjour. Jésus revient. Accepte Jésus. On l'appelle ça dans la sourate. Nous on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il revient bientôt. Alléluia, soyez bénis. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient, il revient nous chercher. Repentez-vous, repentez-vous. Alléluia, mon frère. Jésus vous aime. Il revient. Monsieur de Témoin de Jéhovah. Alléluia. Dites bonjour à l'église. Que Dieu vous bénisse. Je suis à la ville de la Grande Combe. Il y a un enterrement. J'ai été évangéliser les gens dans l'enterrement. Voilà. J'ai été chassé par un prêtre ou un curé qui m'a demandé de partir parce que j'annonçais la bonne nouvelle. J'ai continué, il est revenu une deuxième fois me chasser parce que je dérangeais. Il me disait qu'on est en deuil, c'est pas le moment de parler de Jésus. Et j'ai dit Seigneur Jésus, j'ai dit je parle de Jésus, je dis la vérité. Vous rentrez dans votre église, il ne voulait pas que je parle de Jésus. J'ai continué et à un moment donné j'étais obligée d'arrêter parce qu'il intervenait. Et là, c'est vraiment grave. Les responsables des églises cathos nous chassent. Ils ne veulent pas entendre la vérité sur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis dans tous ces gens. Il y en a qui ont pris les flyers, d'autres ont entendu l'évangile et d'autres, non, parce qu'ils avaient peur du curé. Ils avaient peur des réprimandes. Seigneur, agis en puissance dans tous ces gens, Seigneur, qui sont en train de pleurer pour le deuil, Seigneur. Agis, Seigneur Jésus. Tu n'es pas un Dieu qui dort. J'ai annoncé la bonne nouvelle à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Seigneur, agis en puissance dans tous ces cathos, Seigneur Jésus. Et même des athées qui ne croient pas que Jésus existe. Et ils vont dans cette église. Vraiment, c'est vraiment les églises de la mort. N'importe qui rentre dans ces églises. Que Dieu les bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Grande Combe. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Acceptez Jésus, mes frères. Non, c'est bon, merci, gardez-les. Ah, pourquoi les garder? Vous ne voulez pas accepter Jésus? Non, on n'accepte personne maintenant. Eh, mes frères, moi je veux voir au ciel. L'enfer, il fait chaud, hein, c'est le lieu de tourment. Ben oui, cherchez la face de Dieu, mes frères. On avait donné tout à l'heure. Ah, soyez bénis là. Les témoins de Jéhovah sont dans l'égarement, ils ne savent pas la vérité. Jésus revient, Jésus revient. Mon frère, accepte Jésus et tu seras sauvé. Sois béni mon fils, mon frère plutôt.
Le seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous l'appelez Issa dans la Sourate. Alléluia, soyez bénis. Accepte Jésus, mon frère. Il revient bientôt, il est à la porte du ciel. Il ne s'appelle pas Jéhovah. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, il revient nous chercher. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, il revient nous chercher. Alléluia, alléluia. Jésus revient, il revient nous chercher. Ah, les témoins de Jéhovah, ils sont en train de se moquer de moi. Je les bénis. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, il revient nous chercher. Repentez-vous, repentez-vous. Jésus revient, il revient nous chercher. Repentez-vous. Jésus vous aime. Alléluia. Alléluia. Jésus t'aime, mon frère. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Jésus revient. Jésus revient. Jésus, tenez ma soeur. Jésus revient. Il revient nous chercher. Tenez mon frère. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Ah oui, Jésus est à la porte du ciel. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient, il revient nous chercher. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Allez. Je l'ai déjà. Ah, soyez bénis. Vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui, je suis de la bande à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Mes sœurs, mes frères, tenez. Accepte Jésus, elle te sera sauvée. Les temps sont finis. Bonjour, sois bénie, ma fille. Accepte Jésus et tu seras sauvée. Ah, mais j'ai accepté déjà depuis. Alléluia. Il faut vraiment se repentir, chercher la face de Dieu, parce que Jésus est à la porte. Sois bénie. Ah, mais la catholicisme, je vous le dis, l'église catho seront jugées parce qu'ils prient les morts, ils prient Marie. Il faut prier Jésus seul, ma fille. Et ne mets plus les pieds au catholicisme. Cherche une bonne église, une église évangéliste. Cherche la face de Dieu. On a une église en ligne, là, Jésus revient, sur YouTube et Facebook. Il y a des pasteurs, si tu veux, tu peux les appeler. Que Dieu te bénisse, ma fille. Merci. Appelle Jésus quand tu travailles, dans toutes choses et dans ta vie. Et cherche à faire ton baptême d'eau, ma fille. Oui, que... Le vrai baptême sous l'eau. Et le baptême du Saint-Esprit. J'ai peur de... Non, mais là, c'est... Jésus te donnera la paix. Alléluia. Sois béni. Merci. Jésus. Mais c'est pas le baptême d'eau? C'est le baptême d'eau. C'est le baptême de Jean-Baptiste. Le vrai baptême. Mais on fait comment? Eh bien, le pasteur va faire une prière. Vous allez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, pardonner vos péchés. Et il va vous plonger sous l'eau. Aussitôt que vous êtes ressorti, il va prier pour que le Saint-Esprit vienne sur vous. Okay. Et puis après, c'est... J'ai peur de la noyade. J'ai peur de... Non, moi, c'était pareil. Et moi, la peur est partie, ma fille. Jésus t'aime. Merci. Il t'aime vraiment. Sois béni. Dis bonjour à l'Église. Alléluia. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, il revient nous... Accepte Jésus, ma sœur, Jésus vous aime. Jésus revient, Jésus revient, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur et vous serez sauvés, les temps sont finis. Alléluia, Jésus vous aime, tenez, Jésus vous aime, ma sœur. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, il revient nous chercher. Alléluia, alléluia. Tenez, accepte Jésus et tu seras sauvé. Jésus revient, il revient nous chercher. Rababashi kunadonako, bababashi donago.
Ma sœur, Jésus t'aime. Ah, tout vous en avez. Soyez bénis. Jésus revient, tenez ma sœur. Il revient nous chercher, tenez ma sœur. Accepte Jésus et tu seras sauvé, les temps sont finis. Jésus est à la porte du ciel. Alléluia, tenez. Acceptez Jésus et vous serez sauvés. Jésus revient, il revient nous chercher. Alléluia, alléluia. Repentez-vous, Jésus est là pour vous. Accepte Jésus, ma sœur. Jésus revient. Mon frère, Jésus t'aime. Jésus revient nous chercher. Mon frère, Jésus t'aime. Ma sœur, accepte Jésus et tu seras sauvé. Les temps sont finis. Ah, mon frère, Jésus t'aime. Il revient bientôt. Accepte Jésus. Tenez ma fille. Jésus revient. Ma sœur, Jésus t'aime. Alléluia. On l'appelle Issa dans la Sorette. Nous, on l'appelle Jésus. Il revient bientôt. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il est le lion de la tribu de Juda. Mes enfants, bientôt, les temps sont finis. Ne soyez pas comme dans les temps de Noé. Ce qui arrivera, ça sera pire que les temps de Noé. Jésus est à la porte du ciel. Jésus est Dieu. Il est vivant. Tenez, ma fille, il y a un petit message pour toi, ma fille. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Il est là pour toi, pour te sauver. Le ciel est déjà ouvert. Les anges ont déjà la trompette dans la bouche. Mon fils, Jésus veut te racheter. Il n'est pas venu à la croix de Golgotha pour rien. Jésus est à la porte du ciel. Il est venu pour te racheter au prix d'or de la croix. Qu'as-tu donné à Jésus? Jésus veut vous racheter. Il est là pour toi, mon frère, ma sœur. Qu'as-tu donné à Jésus? Il revient bientôt nous chercher. Qu'as-tu donné à Jésus? Il est là pour toi, ma sœur, mon frère. Qu'as-tu donné à Jésus? Cherchez la face de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Il revient bientôt. Il est à la porte du ciel. Es-tu prêt pour aller là-haut? Il faut chercher sa face, repentir. C'est lui qui vous donne le souffle de vie, qui vous donne à manger, qui vous donne un abri. Il est temps de se repentir, les temps sont finis. Jésus revient bientôt, ma fille. Jésus revient bientôt, ma frère. Qu'as-tu donné à Jésus? Mon frère, Jésus t'aime. Il veut te racheter au prix d'or de la croix. Cherchez sa face. Il revient bientôt. Une fois que vous êtes mort, c'est fini. Si vous n'avez pas accepté Jésus, c'est fini. En enfer, il fait chaud. C'est le lieu de tourment. Ne passez pas votre vie en enfer. Le seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Le jugement dernier sera terrible pour tous ceux qui ont refusé, Dieu, Jésus. Accepte Jésus, mes enfants, et vous serez sauvés. Tenez, ma sœur. Jésus est à la porte du ciel. Il revient bientôt. Il faut chercher sa face. Jésus est le roi des rois. Tenez, ma sœur. À qu'as-tu donné à Jésus? Il est là pour toi, mon frère, ma sœur. Qu'as-tu donné à Jésus? Il revient bientôt nous chercher. Qu'as-tu donné à Jésus? Il faut chercher sa face maintenant.
Jésus vous aime. Jésus revient bientôt. Alléluia. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé, ma fille. Vous parlez de quoi ? De Jésus. Vous l'appelez Aïssa dans la soirée, nous on l'appelle Jésus. Parce qu'on l'a appris que dans la sourate, c'est Issa. Vous l'avez vu à ma tête ? Ah, vous ressemblez ? Non, c'est, on voit. Ma fille, Jésus t'aime. Alléluia. Qu'as-tu donné à Jésus ? Tenez, ma sœur, Jésus vous aime. Il revient bientôt. Mon frère, accepte Jésus et tu seras sauvé. Vous êtes dans une église ? Oui, Jésus revient. Jésus revient et c'est ici ? Alors là, c'est celle de Paris. De France ? Oui. De Paris ? Non, j'habite dans la Grande Cour, mais là, on fait des cellules partout pour prévenir que les gens doivent se repentir. Mais on a une église en ligne. Vous pouvez regarder sur YouTube, Facebook, Jésus-Christ TV, et vous allez voir, vous allez tomber sur l'église. Et vous avez un groupe à la Grande Cour ? Non, on a des cellules dans le monde entier et des églises dans le monde entier. Des églises. L'église en France, elle est à Paris. Après, il est dans plusieurs pays, mais l'église s'appelle Jésus revient. Et on est dans la saine doctrine, la vraie. Où il y a, là, il y a Jésus. Je crois aussi que Jésus revient. Alléluia, bien Jésus bien. Vous aime. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qu'as-tu donné à Jésus ? Tenez, ma sœur. Il revient bientôt nous chercher. Qu'as-tu donné à Jésus ? Il revient bientôt. Ma sœur, Jésus t'aime. Mon frère, accepte Jésus et tu seras sauvé. Ouais. Vous l'appelez Aïssa, nous on l'appelle Jésus. Qu'as-tu donné à Jésus ? Il revient bientôt nous chercher. Qu'as-tu donné à Jésus ? Il est temps de se retenir, mon frère. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Acceptez Jésus et vous serez sauvé. Les temps sont finis. Cherchez la face du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tenez, ma fille. Qu'as-tu donné à Jésus ? Il revient bientôt nous chercher. Tenez, ma sœur. Qu'as-tu donné à Jésus ? Il revient bientôt. Oh, cher, c'est mon frère, Jésus t'aime. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Tous ceux qui refusent d'être avec Jésus passeront au jugement dernier. Et le jugement dernier sera terrible à tous ceux qui ont refusé Jésus. Accepte-le et tu seras sauvé. Pourquoi fuir la colère de Dieu ? Il est le véritable Dieu. Il est assis à la droite du Père. Jésus n'est pas un Dieu des morts. Il n'est pas un Dieu des... Bye bye les filles. Que Dieu vous bénisse. Tenez mon fils. Accepte Jésus et tu seras sauvé. On l'appelait ça dans la sourate. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Les temps sont finis. Merci, tenez. Madame. Mon frère, Jésus t'aime. De quoi ? Jésus revient. Il est parti ? Mais il est parti, il va revenir. Tenez ma soeur. Alléluia.